Allez, go! Et on est parti pour la prochaine mission. L'installation Jacobs, bureau de l'ancien magistrat colonial, colonie de Marsara. J'ai pas eu le temps de voir la fin! Vous avez été démis de vos fonctions de magistrat colonial. Ah! Et vous êtes sous le coup d'une enquête officielle visant à établir les liens que vous entretenez avec les fils de Coral. Nous recevons. Ah oui, ça va vite! Salut! Les hommes d'Arcturus m'ont tiré du vaisseau carcéral. Et apparemment, ils apprécient les confédérés autant que nous. Je connais leur réputation, mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Il me semble d'ailleurs qu'Arcturus voulait vous parler. Commandant, Marsara est pratiquement tombée aux griffes des Zergs. Les confédérés abandonnent la planète, et nous aussi. Mais il nous reste une dernière chose à faire avant de partir. Je veux que vous fouilliez l'avant-poste confédéré. Récupérez tous les documents ou projets d'armement que vous trouverez sur leur réseau. Le chaos provoqué par l'évacuation devrait vous permettre d'entrer et sortir sans difficulté. C'est comme si c'était fait. Et ben voilà, madame. L'inaction de la Confédération, bien sûr, hein, qui ont fait en sorte que la planète soit entièrement ravagée par les Zergs. Et du coup, tout le monde se fait la malle. Et puis, bah, bravo, quoi. Bravo, les gars. Bravo, l'armée. Donc, bon, bah, on évacue, tout le monde se barre. Mais on a une dernière mission à effectuer, comme vous avez pu le voir. On est dans une. Donc là, on est sur une mission entièrement micro-gestion. Dans des installations qui font penser à Space Hulk un petit peu pour ceux qui ont connu ce très vieux jeu de stratégie. Et donc on va faire ça. Alors normalement cette map on peut la faire en speedrun. Hein, on peut la speedrunner très facilement. Voilà, mais bon, on va la faire classique, on va la faire de manière legit. Le but, c'est quand même que vous puissiez découvrir et apprécier le jeu. Si c'est pour faire du speedrun, hein, bon, ça serait pas très intéressant. Parce qu'en fait, pour vous expliquer rapidement, en gros, faut que j'atteigne. Il y a une espèce de téléporteur quelque part par là que je dois atteindre. Et ensuite, il faut que j'atteigne un autre endroit dans la map. Et en vrai, on peut juste courir tout droit avec Raynor. Parce qu'il a quand même 200 HP, donc en fait il peut ignorer toutes les unités qui traînent et arriver très très vite au point d'objectif. Mais on le fera pas, on va y aller tranquillement. Pour votre plus grand plaisir. Allez, on tue les Marines. Allez, on avance. C'est quoi ça? Ah, c'est un Marine. J'ai cru que c'était un civil, mais non, c'est un Marine. Il y a quoi par là? Est-ce qu'il y a des choses? Peut-être des prisonniers, des choses comme ça? Bon, grande salle ouverte. Grande salle ouverte avec que dalle dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah merde, il y avait des tourelles automatiques. Où est-ce qu'on va là? Ah, ça c'est des civils. Des civils qui ont autant de HP que les Marines, c'est marrant. Ok. Oh, il y a des VCS. Ok, bon. Voilà, je sais qu'il faut aller de l'autre côté, mais bon. On explore tout. Ah merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là là! Ils sont coincés, les débiles. Oh, c'est un vieux jeu. Ah oui, non, mais d'accord, en fait, ça rejoint le point de départ. Ah bah merde. D'accord, bon, bah, avancez. On avance, d'accord. En fait, soit tu passes là, soit tu faisais le tour. Ouais. Sachant que par ici, il n'y avait quasiment pas d'ennemis, donc en fait, c'est un moyen plus safe, mais c'est plus long. Donc dans un speedrun, on s'en foutrait. Très bien. Allez, go. On y va, on y va. Balise. Il y a un marine. Là, il y a quoi? Il y a une autre balise. Et il y a encore une autre balise. Ah bah c'est ça le point d'objectif que je dois atteindre. Il faut que j'emmène Raynor jusqu'à cet endroit-là. Hop. Allez, on y va.
Allez go. Oh, la flamme qu'il a pris. Système de défense automatique désactivé. C'est bon ça? On va aller voir par là. Est-ce que ça fait ça? Oh bah. Ils ont emprisonné des monstres. Des creeps. Ah, des Zerglings. Pourquoi les Zerglings là-dedans? Rebel Scum. Petite référence à Star Wars, bien sûr. Des Zergs. J'arrive pas à le croire. C'est pourtant vrai. J'en ai vu dans des enclos confédérés il y a plus d'un an déjà. Il ne fait aucun doute que les confédérés connaissent ces créatures depuis longtemps. Ils pourraient même en élever certains spécimens. Quoi qu'il en soit, notre objectif reste d'accéder au réseau confédéré. On s'occupera des ergues un autre jour. Oula. Intéressant comme, comme information. Ça sous-entendrait que les confédérés soient... j'ai envie de dire presque responsables hein, de l'invasion des ergues. Que s'ils en élèvent... S'ils font des études dessus, c'est qu'ils veulent s'en servir d'une manière ou d'une autre. Peut-être comme une arme. Ou quelque chose comme ça. Ou faire des je sais pas, des hybrides, essayer de tirer parti de leurs avantages. Et tout ça. De leur façon de fonctionner. Hop, allez en avance. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir des clébards de l'espace pour se faire la guerre... Ça pourrait être efficace. Hein. Allez, on avance. On avance. Mais en tout cas, les confédérés ne sont pas tout roses. Hein. Alors, je l'avais pas précisé, mais il faut pas confondre les confédérés et le Dominion. Hein. On n'en est pas du tout encore là. Hein. Sachez-le. Voilà, je précise pour ceux qui ont fait StarCraft 2. Le Dominion n'existe pas encore. Hein. Oh putain, il y a un vautour. Deux vautours. Oh, on claque un skill. Ok. Ouh, les vautours, faut faire gaffe, hein. ça fait mal contre les. Contre la bio, on l'avait dit. Voilà. Ah, téléportation, c'est ça. Nice. J'adore le sound effect qu'ils ont mis pour ça. Oh, mais ils ont plus de vie, mes Marines. Qu'est-ce que c'est? Ah, putain, il y a encore une tourelle. Non, mais avancez, on s'en fout. Ok. Heureusement qu'ils avaient dit que je les avais désactivés. Hein. Oh putain. Toi, elle lance roquette. T'as les Marines, ils sont tous dans le rouge. Hein. Quasiment. Oh le ghost. Oh putain, il y a un fucking ghost. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ouf. Ok, oh. Oh là. Le flammeur est mort, et voilà, on y est. Let's go. Ça y est, j'ai trouvé les plans. Envoyez les navettes de transport nous récupérer. Disque de données. On a récupéré le disque dur, magnifique. Et ceci conclut cette petite mission. Mission 4, hein, si je ne m'abuse. Et on se retrouve dans la prochaine. A bientôt.